je pense que le football guinéen, même s'il vient de s'adjuger à titre définitif la Coupe Nkrumah, est passé à côté de beaucoup d'autres trophées, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 76 il aurait largement mérité de gagner, notamment aussi la médaille d'or des deuxièmes Jeux africains de Lagos, qu'il aurait pu aussi espérer enlever. Donc, disons, au niveau des résultats, moi, j'aurais demandé plus du football guinéen compte tenu de la valeur de ce football, de sa richesse et surtout de sa fidélité absolue aux vraies traditions du football africain, c'est-à-dire le jeu offensif, le jeu d'attaque, le jeu qui est fait d'inspiration et de création. Sénégalais ka balontin ka mona bo maluro Lou Messi ya balontin ya tolonto sabe sa bilado eh bilado afia kulabu bilado que depuis que j'ai vu le football guinéen, j'ai toujours été frappé par cette équipe qui est une équipe qui joue un petit peu à la brésilienne et c'est la seule, je crois, du continent africain à l'heure actuelle avec des joueurs adroits mais aussi extrêmement vifs sur la pelouse. Et je crois que la force du football guinéen, c'est d'être placé en permanence sous le signe de l'offensive. Je crois qu'on ne retrouve pas ça malheureusement dans tous les pays.